Imagine maintenant qu'on est parti sur une excursion sur la Lune. Donc la Lune, hop, comme ça. Et que dans nos bagages, avec nous, on a amené deux objets. On a amené d'abord une brique, comme celle-ci. Et on a aussi amené une plume, comme celle d'un oiseau. Une plume, comme ça. Et on va se poser, donc tu vois, à la même altitude, et on va lâcher ces deux objets exactement à la même hauteur et en même temps. Et la question que moi je te pose, c'est quel objet arrive en premier par terre? Quel objet va tomber en premier? Alors, ce qui est sûr, c'est que si tu imagines par rapport à ce que tu as déjà observé sur la Terre, bien tu vas me dire c'est la brique qui va tomber en premier. Donc, si maintenant on imagine qu'on est sur Terre et qu'on refait un petit dessin, donc on a notre brique ici, hop, et on a la plume. Et bien sur Terre, ce qu'on se figure bien, c'est que la brique, elle, va tomber tout droit comme ça. Et assez rapidement, alors que la plume, elle, va se laisser emporter comme ça. Même s'il n'y a pas de vent, elle va finalement flotter pour éventuellement tomber. Et donc ça va mettre quand même beaucoup plus longtemps. Mais finalement, sur la Lune, ça va pas se passer comme ça. Et ça va pas se passer comme ça pour une raison très simple, c'est que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air. Il n'y a absolument pas d'air. Donc en fait, on ne peut pas vraiment avoir d'intuition. Donc on va commencer par utiliser ce qu'on connaît. Donc tout d'abord, on va exprimer les forces gravitationnelles qui s'appliquent sur ces objets, ou leur poids, si tu veux, mais sur la Lune. Donc on va appeler ça F comme force, et petit b pour brique dans ce cas-là. Donc on commence par la brique. Donc on commence, on dit que F, donc j'écris que l'amplitude vu que tout est dans le même sens et dans la même direction. Donc FB va être égal à grand G, la constante universelle de gravitation. Alors attends, on va mettre des couleurs, comme ça sera plus simple. Donc grand G, on va l'écrire en jaune, on va reprendre du marron, fois donc la masse. Donc je vais rechanger. Fois la masse de la Lune, elle on va l'écrire en blanc. Fois la masse de la Lune, et là je reprends mon marron. Fois la masse de la brique, divisé par, on va reprendre du jaune parce qu'on divise par, tu te souviens, le rayon de la Lune en fait. C'est la distance entre le centre de masse de la brique et le centre de masse de la Lune. Mais comme on a dit que ces deux objets étaient exactement à la même altitude, eh bien en fait on peut appeler ça R, et c'est R au carré. Donc voilà pour la brique. Maintenant on va écrire exactement la même chose pour la plume. Donc cette force de gravitation ou le poids de cette plume, je peux l'écrire F indice P pour plume. Et donc comme tout à l'heure, on écrit l'amplitude, donc FP est égal à, donc grand G, constante universelle de la gravitation, qui est bien la même hein, dans les deux cas, multiplié par, on prend du blanc, la masse de la Lune, M indice petit l pour masse de la Lune, multiplié par la masse de ma plume, donc M indice petit p, et on divise tout cela par R au carré, qui est bien la distance entre les centres de masse de la plume et de la Lune. Donc là, si on regarde un petit peu, on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces trois composantes-ci qui sont présentes dans les deux forces. Donc on peut, par exemple, les regrouper, hop, comme ça, on dit que celles-là, elles sont présentes dans les deux, donc on va simplifier notre expression. En disant par exemple que ces trois grandeurs, le produit de ces trois grandeurs, eh bien je l'appelle G indice petit l. Et là tu vois pourquoi je l'appelle comme ça, parce qu'effectivement dans le cas de la Terre, où ici on a la masse de la Terre et ici le rayon de la Terre, eh bien petit g sans indice représente l'accélération de la pesanteur sur la Terre ou le champ gravitationnel de l'accélération de la pesanteur sur la Terre, ou le champ gravitationnel sur la Terre, pardon. Donc là, on peut par analogie définir le champ gravitationnel de la Lune ou l'accélération de la pesanteur sur la Lune qu'on appelle par analogie petit g indice L.
Ah, oups, j'ai oublié la masse de la Lune. Donc, je rectifie, j'entoure bien la masse de la Lune. Et petit g indice L, c'est bien égal à grand G, la constante universelle de gravitation, fois la masse de la Lune divisé par le rayon de la Lune au carré. Donc maintenant, on peut reprendre et réécrire nos forces gravitationnelles. Donc dans ce cas-là, FB, eh bien je vais pouvoir l'écrire. Je vais pouvoir l'écrire G indice petit L, que je multiplie par M indice petit B, la masse de ma brique. Et de la même façon, je peux écrire exactement la même chose, mais pour la plume, qui va être égale à G. G indice petit L multiplié par la masse de ma plume. Donc voilà, j'ai simplifié un peu mes forces de gravité. Et donc maintenant, je vais faire une hypothèse. Donc l'hypothèse toute simple que tu verras, c'est une hypothèse en plus que j'ai le droit de faire, que finalement, la brique est beaucoup plus lourde, donc sa masse est beaucoup plus grande que celle de la plume. Donc là, tu es d'accord que c'est quand même plutôt logique de dire ça. Donc je dis ça. La masse de ma brique est supérieure à la masse de la plume. Et du coup, comme je vois que j'ai simplifié ces forces et que finalement je peux multiplier les deux côtés par g petit l, l'accélération de la gravité sur la Lune, eh bien cette inégalité, c'est exactement la même chose que de dire que la force de gravité qui s'applique sur la brique, eh bien elle est aussi supérieure à la force de gravité qui s'applique sur la plume. Et donc là, on peut être content, on se dit, bon, donc la force gravitationnelle qui s'applique sur la brique est bien supérieure à celle sur la plume. Donc la brique va tomber plus vite. Mais alors attention, faut pas aller trop vite, parce que tu te souviens bien, c'est pas la force qui compte, c'est l'accélération. Or, ce qu'on a dit, c'est que si un objet a une masse très lourde, eh bien, il aura une accélération moins forte. C'est bien comme ça qu'on avait défini la masse, tu te souviens, dans la vidéo sur la masse. Donc même si... Si cet objet, donc la brique, a une force de gravitation grande, comme elle a une masse grande, eh bien on ne peut pas dire comment sera son accélération par rapport à celle de la plume. Donc il faut la calculer. Donc si je reprends une couleur neutre comme le jaune, on va écrire sur le côté ici. Donc j'écris que en fait, eh bien ce qu'on sait, c'est qu'une force, c'est égal à une masse fois une accélération. Ça, on l'a utilisé plein de fois. Donc, ce qu'on sait, c'est que finalement, je peux diviser partout par m, la masse, et je trouve bien que l'accélération, eh bien, c'est égal à une force divisée par m, la masse. Donc, je peux maintenant appliquer ça à chacune de mes deux forces ici. Donc, on va légèrement gommer un peu mon trait qui est grand. Et donc, je vais continuer un petit peu ici. Donc, on va commencer par la brique. Donc, je vais dire que donc l'accélération de la brique, c'est égal à la force gravitationnelle qui s'applique sur la brique divisée par la masse de la brique. Donc là, on est d'accord. Sauf que ben, je peux écrire la force de la brique comme étant égale à G indice petit l, l'accélération de la pesanteur sur la Lune, fois la masse de la brique, divisée par la masse de la brique. Et donc là, hop, les masses se simplifient et finalement, l'accélération de la brique, c'est juste égal à l'accélération de la pesanteur sur la Lune. Et là, tu vois où je veux en venir. Je fais exactement la même chose avec la plume. Donc l'accélération de la plume, c'est égal à la force gravitationnelle qui s'applique sur la plume divisée par la masse de la plume. Mais comme tout à l'heure, la force gravitationnelle sur la plume, je peux l'écrire comme étant G indice petit L fois M indice petit P. Donc G indice petit L fois M indice petit P divisé par M indice petit P. Et donc ça, bah c'est encore égal à l'accélération de la pesanteur sur la Lune. Donc finalement, j'ai montré que eh bien, mes deux accélérations, celle de la brique autant que celle de la plume, eh bien, sont égales et valent l'accélération de la pesanteur sur la Lune. Donc ça veut dire que ces deux objets vont être accélérés exactement de la même façon, et donc qu'ils vont tomber par terre exactement en même temps. Alors ça, c'est pas super intuitif, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, si tu réfléchis, eh bien ça s'explique très très bien.
En fait, ce qu'on a vu ici, c'est que peu importe le poids de l'objet, pardon, justement, je me trompe, peu importe la masse de l'objet, eh bien, ils vont être accélérés exactement de la même façon. Et ça, bien, tu devrais pouvoir aussi l'observer sur la Terre. Si tu imagines, par exemple, que tu vas dans un endroit où tu peux enlever tout l'air. Donc tu fais le vide complet, 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 et tu refais cette expérience avec une brique et une plume, et tu verras que tu observeras exactement la même chose. Donc là, je t'ai donné une bonne idée pour que tu aies l'intuition. Ce qui explique ce comportement un peu inattendu, eh bien, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'air sur la Lune. Parce qu'en fait, ce qui fait que sur Terre, la brique et la plume n'atterrissent pas au même moment, eh bien, ce n'est pas leur poids et ce n'est pas leur masse surtout. C'est le fait que l'une a de la résistance par rapport à l'air, la plume, alors que la brique, elle, en a très peu. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que si par exemple, on imagine deux choses, on imagine qu'on a maintenant une deuxième brique, mais très très allongée comme ça. Mais elle pèse exactement le même poids. Elle a exactement la même masse. Et bien en fait, cet objet-là, il va avoir beaucoup plus de résistance à l'air. Il va être beaucoup moins aérodynamique, si tu veux. Donc, il va être ralenti par l'air et au final, il va tomber moins vite. Il va atterrir après la brique qui est plus petite. Et de l'autre côté, pour la plume, si maintenant tu imagines qu'on a une plume mais concentrée, donc toute petite et vraiment tassée, 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 eh bien si je la compacte en une petite bille, tu vois qu'elle n'aura aucune résistance à l'air et qu'elle sera plus aérodynamique si on veut. Et donc elle va tomber plus vite que la plume non compactée. Donc pour comprendre encore mieux tout ça, ce que tu peux faire, c'est dans ta chambre, tu as forcément un livre et une feuille de papier, on va dire. Donc si maintenant tu prends un livre, alors, donc on va dessiner un livre, quelque chose comme ça, hop, là, et là, comme ça, hop, un livre avec les feuilles. Eh bien ce livre, tu le laisses tomber exactement en même temps que tu laisserais tomber, disons, une carte postale, tiens, une petite carte postale. Donc d'abord, ça va être logique, tu vas me dire, la carte postale elle va arriver en retard, c'est vrai, la carte postale va tomber plus lentement, parce qu'elle aussi, un peu comme la plume, elle va flotter avant de tomber, parce qu'elle a une résistance à l'air. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu poses la carte postale sur le livre, comme ça, et tu lâches les deux. Eh bien, tu vois qu'en fait, ils vont tomber exactement en même temps, puisque le livre va finalement va tomber sans résistance aérodynamique parce qu'il a une grande masse et qu'il a une forme comme qui va bien. Et du coup, la carte et le livre vont tomber par terre en même temps.